Écoutez la vidéo d'une supportrice algérienne qui est partie regarder la CAN en Côte d'Ivoire. Écoutez ce qu'elle est en train de dire dans les rues d'Abidjan. Moi, je ne vais rien dire. Écoutez vous-même et dites-moi ce que vous en pensez. Si on doit tenir des propos comme ça dans une CAN, quand on dit qu'on est africain et on tient des propos comme ça, dites-moi en commentaire la famille, parce que ce n'est pas normal. Moi, je trouve qu'on ne doit pas tenir ce genre de propos dans une CAN. Regardez. Ya hasra, ya hasra. يا حسرة على الجزائر ويا حسرة على باقي دول إفريقيا يا وتحية الجزائر نحمدو ربي نحمدو ربي اللي عندنا بلاد كيما الجزائر نحمدو حنا نورمالمون على بالكم ورانا حنا نورمالمون الجزائر موجودة في الخريطة بين البرتغال وإسبانيا باسكو هنا عايشين واحد المعيشة وكون وريت لكم أنا سجلت لا فيديو في الليل كي كنت بين في لاكار يا ودي العصر الحجري وقليل والله العظيم وكان جا عندي حكم صغير هكذا برك شوية عندي البوفور أقسم بالله العظيم غير نبعث المواطن الجزائري مرة فاتت قلت لكم في الكاميرون الأخر المهم تجي تشوف برك الكوت ديفوار هذه في أبيجان دي موا سي ليكيب دو كامرون كي سي شي فو يا حسرة. Vous avez bien écouté, si j'avais la possibilité de déplacer l'Algérie pour ramener entre l'Espagne et le Portugal, j'allais le faire. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours là, madame. Vous pouvez prendre votre pays, vous ramener entre l'Espagne et le Portugal, vous restez là-bas. Si vous n'êtes pas content de vivre dans la misère en Afrique, mais vous quittez le continent africain. Je ne comprends pas pourquoi, en 2024, il y a des gens qui tiennent des propos bizarres dans les têtes. On a dit la CAN est censée rassembler tous les Africains. Vous venez dans les pays des gens et vous les critiquez. Vous dites qu'ils vivent dans la misère et vous parlez mal de ces pays. Mais je ne comprends pas en fait. Il y a des gens, si vous n'êtes pas content, prenez le pays et vous vous déplacez. Si vous ne voulez pas participer à la CAN, mais quittez la CAN. Et l'Afrique doit sanctionner ces genres de propos. C'est grave de parler comme ça. C'est grave. L'Afrique doit suspendre ces genres de propos. Tenir ces genres de propos, venir pour une CAN et tenir ces genres de propos, on doit suspendre. C'est parce que l'Union africaine n'est pas sérieuse, parce que la CAF n'est pas sérieux. Si la CAF était sérieuse, ces genres de propos qu'on tient, les supporters, on doit suspendre tous les supporters. Mais parce que les gens ne peuvent pas tenir ces genres de propos et on les laisse venir parler, dire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois, c'est tout le temps. Mais à un moment donné, les gens, ils ont marre d'entendre ces genres de propos. Donc la CAN est censée rassembler tous les Africains. Mais si tu ne te considères pas comme Africain, tu quittes le continent africain et tu vas vivre dans un autre continent. Parce qu'on en a marre d'attendre ces gens des propos. Voilà. Il y en a qui nous disent qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Oui, on ne met pas tout le monde dans le même sac. Mais quand on perd des matchs et qu'on dit c'est le gris-gris, quand on vient au Cameroun, quand on vient au Gabon, quand on vient en Côte d'Ivoire, on tient toujours les mêmes propos. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois. C'est tout le temps. Donc nous, on a marre. On a marre d'entendre ces gens des propos. La famille, dites-moi ce que vous en pensez sur des commentaires. Est-ce que vous trouvez normal? L'Union africaine ou bien la CAF doit suspendre les supporters qui viennent tenir ce genre de propos, on doit les suspendre. On doit les dire, vous n'allez plus venir supporter les matchs. Là, comme ça, il faut changer de comportement. Mais l'Afrique n'est pas un continent sérieux. C'est un continent désordonné où il y a des gens qui se permettent de dire ce genre de propos. Dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires. La famille, la patrouille, la mort, nous vaincrons. Ton tenga, ton sakakoum.